mais c'est une blague. Voilà ce que je vous disais. C'est la provocation, on est d'accord. Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 6 décembre. Je vais commencer par prendre mon petit café. J'ai lavé mes cheveux et j'ai pas eu le temps de le prendre. Je commence à voir de très très chouettes résultats concernant ma détox de sucre. Bon, déjà sur ma ligne, hein, c'est évident. Je vous en avais déjà parlé. Je vous ferai un point, un bilan, je pense d'ici 10 jours. 10 jours, 15 jours. Il paraît, comme je vous disais, qu'il faut 10 jours pour que notre corps se détoxifie. J'avoue que ça passe. J'ai plus mal, hein, ma hernie. Donc, c'était quand même pour ça que je faisais cette détox. C'était pour plus avoir de douleur. Ça fonctionne. Ou alors, c'est le traitement que j'ai changé. Mais je pense pas. Je pense vraiment que ça vient de ça. Et ben, ça, c'est une bonne chose. Sinon, cet après-midi, je vais... Non, pas cet après-midi. Peut-être ce matin même. Je vais vous tourner le haul de mes achats Jiffy. Parce qu'à la base, je voulais vous faire une, les montrer dans cette vidéo, mais je pense que je vais faire plutôt une vidéo dédiée. Voilà un petit peu le programme. J'ai l'impression... Eh oui, c'est la poste. Ça va sonner. Je pose mon café. Allez. Bon, ben voilà. Trois paquets. Ouh, ben je vais avoir du boulot. Le premier, c'est sans doute une box. Donc si c'est une box, forcément, je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que... Ce sera à tourner sur la chaîne des box. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Eh bien, c'est la prescription lab. Elle est juste dingue, en fait. Je pense que tout le monde l'a déjà présentée. Je pense. Qu'est-ce qu'elle est belle! On a une carte postale avec comme une constellation, en fait, bleu nuit. Le prescripteur, comme d'hab, qui est juste splendide. Et la trousse, bah voilà, la trousse, hein, elle est matelassée. Alors, est-ce qu'il existait d'autres couleurs? Moi, elle est vert, bleu-vert cana. Je vous la montre maintenant. Je ne fais pas une vidéo dédiée, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Ah ouais, je vous montre. C'est juste pas possible. Compact crémeux, herborian. Déjà, herborian, c'est juste de la bombe. Non, mais en ce moment, cette période des box, elles sont quand même topissimes. Hein. Compact crémeux poudré. D'accord. C'est la fille, ok. Je veux bien voir. Génial. Donc, petit fond de teint. Ensuite, il s'agit d'un mon stylo regard. Qu'est-ce que c'est? Un stylo regard. Smoky quartz. Déjà, c'est cool, c'est pas noir, ça va changer. Qu'est-ce que c'est? Oh, cool. Ah, c'est un jumbo, comme on appelle, non? Super beau. Il est un petit peu irisé, marronné, taupe. Qu'est-ce que c'est? Soul of Sue, basique. Un kit de 4 produits. Waouh. Voilà, donc, je ne sais pas. Émulsion équilibrante, lotion tonique, donc c'est pour le visage. First Care, crème régénérante. Bon, bah génial. Ensuite, regard des vagues, gel fraîcheur des yeux. Alors moi, tout ce qu'il s'agit de contour des yeux pour les cernes, les poches, tout ça, j'adore. De la marque Algologie. J'en ai déjà entendu parler. On vient prélever et on fait des mouvements circulaires. C'est pas fini. Crème SVR. Ah, je crois que c'est une super marque. On en avait parlé. Très très bonne marque. Une crème apaisante, réparation accélérée, anti-marque. D'accord. Mais génial, en fait, c'est une crème de jour. Très, très beau format. Bon, on est sur un full size, hein, avec un petit fascicule comme ceci. Je suis bluffée. Finalement, Jiffy, ce que j'ai acheté, je ne vais pas le tourner cet après-midi, enfin aujourd'hui. Je vais faire ça plutôt demain matin. Je viens de réaliser qu'il me manque plein de trucs, dans le sens, mon jus de carotte, c'est... l'un des seuls apports de sucre, il me le faut le matin, et là j'en ai plus du tout, c'est-à-dire que j'ai terminé ce matin. Je vais essayer d'y aller maintenant, je pense que ce sera mieux, en plus ça va me faire sortir, et bah, j'enchaînerai sur d'autres petits trucs en retour, notamment le montage de vlog, tout ça. Bah oui, forcément, ça le rend dingue. Non, c'est à maman. Tu te détends, tu descends. Qu'est-ce qu'il fait sombre? Oh, c'est tristoun. Non, c'est à maman. Je viens de mettre mon petit pull parce que ça va peut-être cailler un peu. Je vous ai fait, avant de partir, une photo Insta, nouveau concours, avec plein de produits surprises que je ne vous montre pas. Si vous voulez participer, donc, bah, il faut aller sur mon Instagram. Sous la photo, tout sera marqué.
Je vais, après Leclerc, aller faire un petit coucou à ma maman, c'est sa fête aujourd'hui. Et comme ça, j'en profiterai pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a eu les 6 premiers jours de décembre dans son calendrier de l'Avent. Ça peut être sympa. Oh, il pleut. Je sais même plus où je suis garée. Comme d'hab. Hein. Pour changer, je suis à l'espace culturel de Leclerc, parce qu'il y a tellement de jolies choses. Le petit kit, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a une barbe et tout, qui prend soin de lui. Ça aussi, franchement, des jolies chaussons comme ça, anti-froid. Trop mignon. Regardez par rapport à ma main, c'est immense. Je cherche l'eau de coco parce que c'est pas trop sucré. Et à chaque fois, il le change de place. Donc je galère, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Sans sucre. Je vais quand même le scanner. Bon, le scan a été sans appel, c'est excellent. Yes, sans sucre, génial. Bon, bah j'ai décidé de lui faire un petit bouquet, même si elle a déjà eu un truc dans son calendrier. Je sais qu'elle adore les roses roses, du gypso, ça va être joli. Voilà le beau bouquet, il est super joli. Bon allez, je file. On va attendre. D'habitude je rentre, mais là... Voilà. Bonne fête, oh. Maman. Oh là là, merci. C'est beau, hein? Mais oui. Ah si, il est très beau, hein. Je valide. Je voulais que tu me montres ce que tu avais eu dans le calendrier de l'Avent un petit peu. Tu peux le montrer ou pas? Alors déjà, montre. Ça, c'est le collier d'aujourd'hui. C'est ça que tu as eu aujourd'hui. Il est magnifique. Hein. Super joli. Ah, avec beau, ton... Il est fin. Il est très beau. Non, il est très très beau. Ça, c'était le numéro 1. Je vous l'avais déjà montré. Petite décoration comme ça. Tu vois, je savais que ça allait être utile. Et le petit... Ici, tu avais eu un petit cadre. Il est rose poudré. Non, non, il est très très beau celui-là. Il est mignon, hein? Il est très mignon. Crème pour les mains. Ah ouais, ça c'était la crème pour... Elle est bien? Très très bien. Bon bah c'est cool, ça te fait plaisir. Et demain, attends, je vais regarder mon indice. Toi tu regardes pas. Toi t'as déjà regardé. Ah non. Non. Je regarde l'indice. Je vais peut-être me rappeler. Ce sera idéal dans ta salle de bain. Le matin? Ah si, je crois que je sais. Alors, maman me demande ce que j'en pense. De ces éclairages, vas-y. Si, c'est joli. Il y a un truc qui me choque, ben je trouve que c'est trop, peut-être trop régulier au niveau de la glace. Ça, c'est très léger à... Pas et pourquoi à tu pourrais pas plus sur le haut en mettre que ça fasse... Vas-y. Moi, je verrais plus mais en haut et dégoulinant droite-gauche, que ce soit plus harmonieux. Fais-le moi. Ça fait mieux, ouais, comme ça. Ok. Je viens de rentrer, je me suis encore bien pris la flotte. J'ai trouvé quelques petits trucs sympas chez Leclerc. J'ai repris mes vasas. Ça, c'est pas, ça n'a pas tellement de goût, hein. Mais bon, ça passe. Les amandes que je prends tous les matins. J'ai trouvé ça que j'ai scanné. C'est marqué excellent. Des petites soupes, je sais pas les faire. Bon. Celle-ci, c'est ricotta parmesan courgette soupe comme à la maison. Oh, ça a l'air trop bon. C'est Knorr qui fait ça. Et j'ai pris donc celle-ci potiron pointe de muscade. C'est sympa, je trouve, cette gamme. Vous avez vu? Des petites pommes. J'ai repris des quenelles. Celle-ci, c'est un petit légume. Tu mets ça au four une demi-heure, c'est trop bon. Donc, j'ai pris vraiment ce avocat surimi, ce que je préfère. Mes galettes, comme d'hab. Fromage blanc, zéro. Jack, s'il te plaît. Celui-ci, je ne le connais pas. Mais voilà, je crois que c'est pour maquillage waterproof. C'est un biphase, j'aime bien quand c'est biphase. Et mon jus de carotte, donc jardin bio. Moi, je préfère l'autre, c'est le Björg, voilà. Mais bon, je pense que ça se voit. Je suis montée pour m'avancer sur le vlog. Et Jack, on s'est un peu fâché parce qu'il sautait partout, il pleurait. Et du coup, je l'ai même pas vu. Regardez. Tu es vraiment trop mignon. Hein? Mais oui. Tu t'étais énervée tout à l'heure. Je me suis bien avancée. Je suis contente, il est 8h. Donc je vais manger mes sushis et me poser tout simplement. Gérard, ça a l'air sympa, hein. Je vous retrouve que maintenant, il est 23h30. Je vais aller me coucher. Je m'étais posée devant Netflix. J'ai regardé un film, Un AV. Je me souviens même plus du titre. Je faisais autre chose en même temps. À la base, je voulais regarder... un film de Noël, parce que bon, moi j'ai fini The Sinner, Outlander, c'est pas encore sorti, il y a de nouveaux épisodes. Et je devrais que je suis un peu déçue avec les films de Noël, à part un que j'ai vu, le premier, que j'avais trouvé vraiment sympa, frais et tout, bien fait.
c'était La Princesse de Chicago. Celui-là, il était vraiment bien. Bah, depuis, pas terrible, quoi. Si vous en connaissez, franchement, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau vlog. Salut.